Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'autre, oh yeah! Je suis en compagnie de Fou des jeux vidéo qui n'est toujours pas avec moi par micro, mais sur le jeu, il est avec moi, son esprit m'accompagne, puisqu'on n'a toujours pas réglé le problème du micro et je pense qu'on ne pourra jamais le régler. D'ici la fin de ce let's play, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais pouvoir tester. C'est mon premier, ma première vidéo capturée, je veux dire, hein, en vidéo. Oui, donc c'est ma première vidéo. Et effectivement, c'est un petit peu débile ce que je viens de dire. Tournée avec ma nouvelle manette Xbox. Oh yeah, je peux jouer direct. Donc la manette a été directement reconnue par le jeu. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai que niveau maniabilité, c'est juste complètement différent par rapport à avant. Alors pour le coup, maintenant il va falloir que je me repère aux touches. La puissance est déjà au max. Alors là, vous voyez que j'ai gagné un niveau. Je suis niveau 13 et j'aimerais bien passer au-dessus. Alors c'est quelle touche non, c'est pas là. Ah voilà, c'est back. C'est la touche back de la manette. Ok. Alors j'ai 6 points. J'ai 6 points. Sachant que j'ai le nain. Alors on va mettre 2 points de résistance, 2 points de force. Et 1 point de résistance et 1 point de force. Voilà. On laisse toujours un cran au-dessus, la force. C'est toujours plus utile. Et je peux bien sûr choisir des pouvoirs. Ouh, il y a des trucs qui ont l'air sympas. Alors, vous voyez que maintenant, les touches ont été remplacées par celles de la manette. Et pour effectuer les combos, ce sera très, très facilité. Alors, remplacer balayage par une série d'attaques rapides nécessite une épée. Non, ça, j'aime pas trop. Remplacer par une attaque à zone d'effet dévastatrice nécessite une hache ou un marteau ou une masse. Ça, c'est bien, ça. Hop, ça, je prends. Et hop, je vais l'améliorer 2 fois. Pour avoir... confirmé. Tac. Oui, je confirme. Ok. Et voyez, maintenant, quand j'appuie sur la gâchette... alors, c'est la gâchette... C'est RT. Les pouvoirs apparaissent en bas à droite. Et j'ai plus qu'à appuyer sur les bonnes touches. Et je peux effectuer mes capacités, mes compétences. Tac. Alors là, je prends tout. Alors, vous voyez, c'est tellement plus simple que de devoir gérer avec le clavier. Donc là, ça sent la grosse zone de boss. La grosse zone de boss, voilà. Voilà, ouh putain. Ah, non, j'ai cru que c'était un troll. Non, c'est un géant de pierre. Mon dieu. Alors, le géant de pierre, je ne connais absolument pas ses spécificités. En tout cas, il est très beau. J'aime beaucoup ce boss. Et c'est pas un petit boss, hein. Alors, merde, par contre, les roulades, c'est quoi? Ah oui. Alors, les roulades. Oh. Ah oui, alors, faut attaquer ses jambes. Oh. Non. Ok. Donc, faut que je gère les roulades. Et. Oh putain. Oh il a de la vie. Oh il a de la vie. Alors le but. Ah oh, putain j'ai plein de poussière. Merde, comment je fais? Alors par contre pour réaliser les attaques comme ça, les pourquoi je. Je ne sais pas du tout. Ah oui, alors là, gâchette. Wow. Bah écoutez, on va appeler l'aigle là. Oh merde. Oh on peut pas. Moins 123 dégâts. Alors là, je suis dégoûté. J'ai utilisé l'aigle alors qu'on ne pouvait pas. Donc là, du coup, il faut défoncer les bras. Ok. J'étais un peu loin, incomprenant. Quand il est à terre, il faut lui viser les bras. Et ce qui semble logique, en effet. Donc là, il se relève. Oh, je suis tout blanc. Putain, je me suis jeté dans un sac de farine. C'est n'importe quoi. Il va falloir que je m'habitue un petit peu aux touches parce que là, j'ai à peine lancé le jeu. La manette, je viens de la pluguer et tac, ça a été reconnu. Résultat, j'ai pas pu jouer avant. Oh, holy shit, ça c'était beau. D'ailleurs, je devrais... Oh putain. Par contre, je ne sais pas quelle toucher pour courir. Ah voilà, bah, c'est la gâchette. C'est pas la gâchette, c'est RB. Voilà, donc là maintenant, on vise les bras. Ah, yeah. Non. Ah ouais, d'accord, il a une portée un petit peu abusée quand même. Hein. Est-ce que ça marche, ça? Non, ça marche pas. Allez, allez, go. Oh oui, la tête. Oh. Ouh, il a pas aimé ça. Ouh, il a pas aimé. Oh, ça va plutôt facile. Alors là, comment je... Si, c'est ça, c'est Y. Alors, lorsque... Voilà, donc... Lorsque la petite flèche jaune apparaît, donc pour signifier un finish ou une attaque puissante, c'est bien le bouton Y qu'il faut actionner, en effet. Alors, par contre... je ne sais pas quelle touche c'est pour les popos. Et ça c'est un petit peu problématique. Heureusement qu'à la foutu. Ouais non. Je suis pas d'accord. Donc faut pas que je me gourre, c'est
C'est B pour les roulades. Donc du coup ça c'est bon. Heureusement il focus l'elfe. C'est bon. Là il se retourne vers moi. Bon on lui fait du dégât. On lui fait du dégât. Allez viens là gros sac à frites. Il est vraiment beau hein. Il est très bien fait. La physique est plutôt sympa. Vous voyez ses colliers ils bougent. Il bouge, est-ce que je peux lui viser la... Non, je peux... Ouais, ça c'est un peu con par contre. Allez, meurs. Mince. Cadeau. Comment ça, cadeau? Ah, j'ai reçu un cadeau. Mais comment je fais pour les utiliser? D'accord. C'est les touches fléchées, là. C'est les croix. Croix directionnelle. La croix de droite. D'accord. Ah ouais, j'ai les indications des popos juste à côté. Vous voyez, à côté de ma... Holy shit. À côté de ma barre de vie, j'ai l'indication du nombre de potions que je possède. De même pour le mana. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Va chier. Oh. Et maintenant, tac devant, tac devant. Tac devant. Les taquets dans les mains. Yeah, yeah, yeah. Attention, on se décale. Ouais. Enfin, je suis pas d'accord, hein. Non! Sac à merde. Wouh! Mais qu'est-ce qui est. Pourquoi ça fait ça? Alors là, comment je fais? Ah, allez. Allez. Allez, ressuscite, mon petit fou des jeux vidéo. Heureusement, l'elfe est là, elle nous protège. Bon, il se relève. Moi, je reste dans le sac tranquillement. Regardez, je regagne mes PV. Plus 46, plus 63. Plus 95, plus 110. Ah, ça régène bien son pouvoir. Faudrait peut-être que je la joue, l'elfe. Un de ces quatre. Oh non, mais allez, s'il te plaît, quoi, c'est un petit peu abusé quand même, tu me le fais pas deux fois, heureusement il a bientôt plus de vie, on va pouvoir le finish. Faudrait que je joue l'elfe, je disais. Peut-être une fois ou deux là. Voilà. Ah, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yeah. Voilà. Aïe. D'accord, j'avais pas compris que c'était une attaque. Vas-y, ouais, le cercle. Donc, je disais, par rapport à l'aile, va falloir que je la joue peut-être une ou deux fois. Bah voilà, il est décédé. Ouais! Tueur de géants, succès. Il a lâché du stuff. Alors, comment on fait maintenant? Alors, oui, donc c'est back. Oh yeah! Plein de. Ah, c'est trop gentil, merci. C'est mon petit, petit fou des jeux. Fou des jeux vidéo. Qui m'a offert un. Des petits cadeaux, donc Home de Hit Alglair. Plus 81. Oh. Oh, il a la classe, magnifique. Magnifique. Ça, ça change rien. Mais c'est plus beau. Voilà. Collier, je peux pas les mettre, malheureusement. Mon petit fou de jeu vidéo, tu m'en as filé un, mais je peux pas les mettre. Ça, les gantelets, je peux les améliorer. Sinon, j'ai rien reçu. Ok. Bon, cadeau, amulette de Midland. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. J'ai obtenu des popos aussi de. De santé. Alors pour le coup par contre Ah merde. Flûte. J'ai appuyé sur A. Bon bah cinématique gratos. Oh il est pas mal le stuff de fou des jeux vidéo. Le petit ranger là il s'est mis un set. Et il est vivant là. Ouais. Il respirait. Il s'est mis un petit set elf. Regardez un petit casque elf. Des épaulières, des gantelets, des jambières aussi. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Guy? Eh ben voilà, ça c'était prévisible. Allez, il lui a crevé les yeux. Ça c'était sale, mais magnifique géant. Très beau géant. Ah, oh, ça c'était sale par contre. Oh. C'est terminé. C'était sale. C'était gore, hein. Mon peuple est vengé. Et regardez, voici les vôtres. Oh, c'est la famille. La famille elfe, la famille aigle. Oh, y'a papa aigle. Y'a grand-père aigle. Avec le collier et tout. Lui c'est le. Lui, c'est le parrain aigle. Il semblerait que vous nous ayez rendu un grand service. Non, c'est pas vrai. Seigneur Gwaihir, ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais ces trois-là. Andriel, Farin et Eradan. Bah évidemment, attends, lui, il a rien branlé, lui, attends. Oh, s'il te plaît, hein. Les trois mêmes qui vous ont sauvés à Fornos. Ouais, c'est nous. Oui, en effet. C'est vraiment une chance que nous nous soyons rencontrés à nouveau. Je te le fais pas dire, hein. Sérieux. Était-ce vraiment de la chance? Vos destins semblent étrangement liés. Mais dans tous les cas, nous vous sommes doublement reconnaissants pour avoir sauvé la vie de Beleram et pour avoir anéanti le géant. Ouais, je sais, je sais.
on me le dit souvent, quoi. C'est pour le bien de nous tous. Ouais, ouais, j'ai envie d'être gentil, quoi. Nous sommes heureux que votre frère ait été... Non, en fait, on en a rien à branler, hein. Non, mais clairement. Menace pour tous les peuples libres. Nous avons eu raison de nous allier pour le détruire. Ouais, ouais, ouais. Bien dit. Bien dit. Je me demande pour quelle raison vous êtes venu dans la lande des Étennes. Ouais, ce ouais. n'est pas un endroit où l'on a envie de s'attarder. Bah, Elrond nous a envoyé, ok. Elrond, le semi-elfe, nous a envoyé. Il avait la sensation que l'ennemi pourrait se rassembler. Il avait la sensation, hein, moi je dis il ça. Il pensait également que nous pourrions trouver un serviteur de l'ennemi ici. Un homme dénommé Agandor. Beleram nous en a parlé. Mais je crains que vous n'arriviez trop tard. Ah merde. Nous avons parcouru la lande des Étennes de long en large lorsque nous recherchions Bargrisar. Mais nous n'avons vu aucun signe de ce serviteur du Seigneur des Ténèbres. S'il se trouvait ici, nous pouvons être quasiment certains qu'il n'y est plus. Mon peuple va œuvrer pour disperser les armées ennemies qui sont toujours dans la lande. Nous surveillerons un éventuel retour d'Agandor. D'accord. Alors nous devrions retourner voir Elrond à Imladris. Il doit être impatient d'avoir de nos nouvelles. Bouf. Nous sommes déjà partis depuis. Il en a rien à foutre. Je vais trouver un messager. Ah, oh, c'est gentil. Monseigneur, je dois ma vie à ces trois-là. Et je suis persuadé qu'Agandor est une grave menace pour les peuples libres du Nord. Et les aigles ne seront pas épargnés. Ouais, ils seront plumés. Eh ben oui. J'aimerais les accompagner pour les aider dans leur quête. Ouais, ouais, moi je refuse. Vous me mettez face à un dilemme, Beleram. Je pourrais bientôt avoir besoin de mes soldats. Mais j'ai l'impression qu'une grande aventure attend ces trois-là. Et il semblerait que vous en fassiez désormais... Ouais, non, 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 oh, s'il vous plaît, on n'a pas signé le contrat, voilà. ...tant que vous le jugerez nécessaire. Ouais, ouais. Beleram aura besoin d'aide, s'il ne veut pas porter ses amis comme des moutons entre ses griffes. Si vous êtes d'accord, monseigneur, j'aimerais également les accompagner. Je souhaite également participer. Laissez-moi partir aussi. Qu'il en soit ainsi. Voler dans les airs pour mener les trois aventuriers vers leur destinée. Ah ouais. Que la bonne fortune vous accompagne. Ah ouais, on a un aigle de compagnie gratos. Barantor, oh la classe. Vous serez sous les ordres de Beleram. La classe, la classe. Suivez son commandement jusqu'à votre retour ici. Je dois partir à présent. Ok, rien à foutre. Un grand nombre d'armées opèrent à travers la terre du milieu et de nombreux événements se préparent. Je dois réfléchir au rôle. Ouais, c'est ça. Je dois réfléchir. Ça sent le mec qui veut glander. Merci pour votre aide. Vous avez été d'une grande aide, comme c'est souvent le cas pour les aigles. Merci et adieu. Goodbye. Ok. Donc, résultat, faut aller où maintenant? Les Galgal, bref, Fornos, Guet de Sarn, Bidule, on s'en fout, Lande des Étennes, ouais, ouais, machin. Donc là, on doit se rendre à Foncombe. C'est parti pour se rendre à Foncombe. Oh yeah. Ta-da-da-da. Les chiffres du dégât. D'ailleurs, je pensais à un truc. Ce boss là, ce combat en début de vidéo, bah, ça m'a fait penser parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder un let's play sur Dark Souls 1, puisque le 2 vient de sortir et il me fait très envie. Je pense me l'acheter, me le procurer d'ici, je ne sais pas dans combien de temps, mais très bientôt. Et je regardais un let's play sur le premier du nom et les boss, bah, ça m'a fait penser à ça avec la petite barre de vie en dessous, voilà, l'espèce d'arène. Bon, c'est pas aussi technique que Dark Souls, mais bon, ça, c'était presque ça. Le boss était bien, en tout cas, était bien fait, je trouve. Il y avait de l'idée, la recherche et du travail. Dans la lande des Etten, mais vous êtes revenu sain et sauf, et en compagnie de trois grands aigles par-dessus le marché. Une histoire se cache derrière tout cela, et j'ai hâte de l'entendre. Nous nous sommes battus contre un géant. Nous avons trouvé des trolls et des orques en train de se préparer pour la guerre. La guerre. Et ils étaient menés par un géant de pierre renégat. Il avait attaqué le peuple de Gwaihir. Avec l'aide de l'aigle Beleram, nous avons pu vaincre le géant. Bien joué. Mais tout cela est troublant. Pourquoi un géant de pierre agirait-il ainsi? Ils n'ont jamais été hostiles envers les peuples libres jusqu'à présent. Nous avons trouvé ces emblèmes sur certaines des victimes. Certains d'entre eux portent l'emblème du corbeau noir d'Agandor. Alors nous pouvons être certains qu'il se cache derrière le basculement du géant dans le mal. Mais je reconnais là d'autres emblèmes également. Ce sont les marques des orques du mont Gundabad, loin au nord. D'accord. Vous savez ce qu'il faut pour régler la crise? Une bonne guerre. Voilà, comme ça tout le monde aura du boulot. Ah là là. Qu'en est-il du porteur de l'anneau? Se pourrait-il qu'un grandeur soit là-bas? Peut-être à Gundabad.
C'est le Bagdad de la Terre du Milieu. C'est possible. Depuis le mont Gundabad, les orques ont plusieurs tunnels et chemins secrets qui relient les mines cachées aux repères des orques dans les monts brumeux. Les orques peuvent y passer en grand nombre sans être... Si Agandor élève une armée... pas mal le sol. Putain, il a dû en chier le carleur. Ouh là là. La preuve que vous avez découverte confirme cette hypothèse. Cependant, nous ne pouvons pas savoir s'il s'y trouve encore. Peut-être pas. Mais nous ne pouvons pas attendre qu'il commence la guerre comme il l'entend. Au moins, nous pourrons découvrir ce que les orques préparent. Se rendre dans un pic aussi infesté d'orques que le mont Gundabad semble n'être que pure folie. Ce n'est que pure folie. Votre talent et votre audace à de nombreuses reprises. De plus, les aigles vous aident. Vous parviendrez peut-être à surprendre... Ouais. Il est certain que si vous détruisez Agandor, vous détruirez le cœur du plan de Sauron concernant la guerre au nord. Alors, allons à Gundabad, voyons. Alors, allons-y. Voilà, fini le blabla, parce qu'en fait, tu sers à rien. Votre courage. Oh là là. Mais veillez à être bien préparé. Ouais. Gundabad ne laisse aucune chance aux imprudents. T'inquiète pas, Robert. Et puissent les étoiles éclairer votre chemin. Je pense que je suis préparé, Michel, hein. Par les Elrondes, j'en ai rien à battre des Elrondes. Oula, il y a eu un... Quand je vais ici, c'est marrant. Ah non. Non, il y a eu juste une grosse baisse de framerate. Rien d'important. C'est bizarre. Ah oui, alors au fait, petite info, je tourne avec... actuellement avec... non, c'est pas le logiciel que je voulais mettre en cause. C'est avec... je tourne en 50 FPS, voilà. Puisque le jeu, étant mal optimisé, avait tendance à chuter à 55, 56 pendant que je tournais. Résultat, ça faisait des grosses saccades dans les vidéos. Du coup, là, je passe en 50 FPS et ça descend pas en dessous. Résultat, c'est quand même très fluide et c'est tout à fait regardable sans chute de FPS. Enfin, normalement. Donc du coup, le petit fou des jeux vidéo est parti là-bas. Alors, il parle avec... d'accord. C'est qui elle? Bienvenue, Nain du Mont Solitaire. Oh, la princesse Leia! Avez-vous besoin de quelque chose pour voyager? Oh putain, la fumée elle. Oh putain, ses yeux ils bougent pas. Oh mon dieu! Alors, montrez-moi ce que vous avez. Acheté. Ah, cool! Alors, du coup. Ouais, 2000. Ah, j'ai 19 films. Oh, allez, c'est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ouh, il y a du stuff. Ouh là là, il y a du stuff. Épaulière, dingue, mais... Ah, il y a des trucs sympas, franchement. Est-ce que je peux tout porter, petit? Ouais, bah, je peux. Allez, on se fait plaisir. C'est les sols. On va dire que c'est les sols. Ouah. Oh, le bonheur. Alors, faut que je fasse attention aux attributs. Vous voyez, par exemple, pour celle-là, l'accent 121 d'armure, elle a 3 dextérité, donc j'en ai rien à foutre. Mais ça a l'air d'être un stuff un peu rare, vu que le nom est écrit en vert. Armure renforcée de Ranger. Torse qualité élevée, 130, ouais. 138 plus 15 de dégâts, ça je veux. 1400, ouais, c'est un peu plus cher, mais bon, ça vaut moins que les épaulières, elle cherche l'erreur. Ça, c'est 121, non, ça, je m'en fous. Ouh, 15% de dégâts à l'agresseur, 89, ça, c'est moisi. Prix de l'armure, ouais, non, ça c'est moisi aussi. Ok, bah voilà, ça c'est meilleur. On va acheter ça. Gantelet, tac. Bon, ça, hop, 2000. Je comprends pas pourquoi les gantelets et les épaulières coûtent plus cher que le torse. Dans un sens, ça devrait être complètement l'inverse, mais c'est pas vrai. On va pas se poser des questions. Ouh, elle a l'air d'avoir des armes sympas. Alors, voyons voir ce qu'on a. Quoique, je crois que mon arme est très puissante pour le coup. Ouh, grand marteau de gardien du savoir. Alors faut que je fasse gaffe parce que... Ouh, ça c'est mieux ça. Solide grande épée de range. Oh, plus 75 dégâts critiques. Oh, je veux... Ouh, ça aussi. Usure réduite 300%. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de dégâts. Et celui-là... régénération santé plus 16 dégâts électriques. Ah, c'est cool ça. Moi, je sais pas ce que j'ai. Attendez, avant de faire les armes, on va juste faire le froc. Putain, même ça quoi. Allez, le froc et les shoes. Bon voilà, j'ai plus beaucoup de thunes. Maintenant, on va se faire l'arme. Du coup, est-ce que je me prends ça quoi? Ça parce que ça c'est cheaté. Ça. Attendez, on va regarder ce que j'ai. Non merde, c'est pas ça. On va regarder ce que j'ai. Donc du coup, ouh là la classe.
Oh là la classe. Oh la classe, la classe, la classe, trop de classe. Oh putain, là je vais être Mouteki, comme dirait une certaine personne. Voyons voir. Donc moi ce que je porte c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi que je porte, moi? Attendez, j'ai des trucs à vendre, là. J'ai des trucs à vendre. J'ai des trucs à vendre, là. On fait le petit commerce. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vendre. Donc, déjà. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Et ça, tu vends. Ok, maintenant, épaulière. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, bah, je peux... Non, non, je vais le garder quand même. C'est un cadeau, donc je le garde. Hop, ça, tu vends, ça, tu vends. Au niveau des armes, là, j'ai plein de trucs à vendre. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, c'est pas mal. Ça, tu vends. 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 Ça, à la limite, je serais tenté de le garder. Ça, tu vends, j'ai rien à foutre. Ça, c'est... Ah, ouais, ouais, ça, c'est cool, par contre. Ah, ça, c'est cool. Bah en fait non, j'ai pas mieux. Oula pardon, excusez-moi, j'ai bougé le micro. Bah pour le coup alors, ça je les garde peut-être. Non, ça je le vends. Ça aussi. Et ça aussi. Du coup je vais juste acheter... celui-là. Et... celui-là. Voilà. Ok, ça nous fait du stuff. On va pouvoir tester on va d'abord se tester une épée. Voilà, on va passer un petit peu à l'épée. Oh, elle est longue, ma grosse épée. Oh yeah. Bon là, je pense que on est complètement cheaté. Moi, j'ai un stuff mais juste mais monstrueux. Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ce stuff complètement abusé. Donc du coup, je vous suis reconnaissant. Ouais, au revoir, au revoir. J'ai d'autres choses à foutre, oui. On va aller ici et on va aller commencer la mission. Ouais, j'ai le temps, on a encore le temps. Continuer, on va aller à mon Gundabad, il me semble. Ah, c'est dans la montagne. Ah oui, je crois me souvenir. J'avais déjà vu ça dans des vidéos sur YouTube où il montrait exactement ce passage-là. Effectivement. Effectivement, oui. J'ai l'impression que le son est pas fort du tout. Heureusement qu'il y a les sous-titres. Courage, nous y sommes presque. Et cette chute de neige nous empêche d'être vus par les ennemis. Beleram, là, au-dessus de la montagne. Des Nazgûl. Ouh, ça fait mal aux yeux. Posons-nous, essayons de trouver un chemin dans la montagne dissimulée par cette tempête. Ha, il a la mouscasse, il a la... Oula, la... Oulala, ça va plus. Il a la moustache qui gèle. Lui, mes camarades et moi chasserons les bêtes. D'accord, on fait comme ça. Ah, il va nous poser dans un endroit paumé. Vas-y, dépose-moi, bébé. Vas-y, dépose. Allez, dépose, bébé, dépose. Bon, maintenant, on va s'arrêter au prochain checkpoint. On va avancer jusqu'au prochain checkpoint, motherfucker. Alors ici, je suppose qu'il n'y a rien. Attendez, faut toujours vérifier, hein, on sait jamais. Non, on peut pas. D'accord. Ok, bon. On ne peut pas. Ah, putain, j'ai oublié de racheter des popos. C'est pas très grave. Ok, alors, point d'intérêt, c'est quoi? R. Oh, trop bien, j'ai mis la minimap. Trop bien. Ouais, en cliquant sur le pad. Allez vous faire foutre. Oh, yeah. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est peut-être... plus chaud de viser, mais c'est beaucoup plus simple d'activer l'arbalète simplement. Oh yeah. Allez, meurs. Et oh. D'accord. Ok, si tu voulais bien te pousser, voilà. Ok, alors les archers. Hop, à l'arbalète. Donc je disais, c'est beaucoup plus simple, vous voyez, avec la manette. Parce que là,
J'ai juste appuyé sur la gâchette de gauche, donc ça doit être LB ou LB, je sais plus, non, je sais plus quelle gâchette c'est. J'ai la flemme de regarder. Au lieu d'appuyer sur Alt et de me faire chier littéralement en oula. Alors toi, voilà, et t'es même pas mort. Tu viens de te prendre, ok, d'accord. Ok, oh, il est comme ça, le mec il vient de se prendre 4000 de dégâts dans la tronche, il meurt pas. Oh, des pièces, ça fait toujours plaisir. Allez, on court. Alors toi déjà, je te fais... Oh, le petit headshot. Tadé. Et tadé. Merde, c'est... Ah, c'est pas ça. Oh yeah. Non, c'est... Ah, c'est chaud par contre, hein. Va falloir que je m'habitue. Ah, il est pas mort en plus. Yeah, yeah, yeah. Ah, là par contre, là tu es décédé dans les abysses. Allez, tiens, oh, le mec il est tombé, le pot. Oh putain, je frappe dans le vide tellement je suis une merde. Bon, ok, toi j'ai compris. Ah d'accord. Vous êtes... Oh là là, faut que... Ça c'est fait. Décidément, on frappe sur les mêmes personnes, résultat. Ouh, dans les testicules. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de carreaux. Tu vas mourir, oui. Allez. D'accord, c'est bon, il est mort. Il reste l'autre glandu en haut. Ah bah attends, il y en a un autre là. Vous allez voir que je vais utiliser tous mes carreaux pour deux clampins. Ah, deux clampins perchés. Ah bah bon, il est tombé comme une merde. Et toi? Allez. Allez, meurs. Meurs quoi. Fais pas l'enfant. Putain. Le sac. C'est bon, il est mort. Ah, ben dis donc. Maintenant, ok, c'est bon, j'ai récupéré des carreaux. Oh, faut faire attention, hein, y a plein de trucs. Non, c'est pas cette touche-là. T'as, j'ai du mal à m'habituer à la touche de sprint. Ok, c'est ici. C'est une gâchette. Ok, on avance, on avance. Yeah, yeah. 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 Oh yeah, alors là je gère. Aïe. Non, c'est pas lui que je voulais. Meurs. Alors lui. Ouh la vache. Ok. Voilà, dans ta face. Toi aussi. Toi aussi. Voilà, je t'ai démembré en tapant en plein dans l'abdomen, mais c'est pas grave. Ok, bah c'est parfait. Il y a un checkpoint. Bah je pense que... Ah bah tiens, il y a des trucs à péter, c'est parfait. C'est parfait. Pile de quoi nous faire patienter avant d'aller plus loin. On va pouvoir se laisser là autour d'un magnifique feu de camp. Prendre objet. Ah, gants protège froid. Ouh, dommage, ça coûtait bien cher. Oula. Ouh, pardon, je m'étouffe. Une petite popo de mana. Ici, il y a un truc à récupérer, mais on va se laisser là. Hein. On va se laisser là, techniquement. Oh! Alors ça, je peux pas la choper. D'accord, bon, je peux pas... D'accord, je peux pas choper. Donc ici, il y a des orques, modélisés avec des petites torches. Bon, c'est sympa. Donc du coup, je vais lui dire qu'on va, on va s'arrêter là. On va s'arrêter... Là. Ok, j'ai bon, cherchez pas, c'est pas grave. Je sais pas écrire, c'est pas un souci. Donc voilà, en tout cas c'était une jolie épée. Ouais, je sais. Alors vous voyez sûrement pas le petit overlay Steam qui vient de s'afficher. C'est fou des jeux vidéo qui vient de tout juste de m'envoyer un petit message pour me dire que mon épée était très très charmante. Très belle épée, ouais, c'est vrai que je vais essayer de faire un petit zoom. Ouais, vraiment, ouais, non, elle est belle. Les stuffs sont vraiment très très bien faits dans ce jeu, je le redis encore une fois. Donc, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire, à partager la vidéo, à faire ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Seigneur des Anneaux ou d'un autre jeu. Et puis je vous dis à la prochaine. Oh yeah, on passe juste ça.
histoire d'avoir le point de sauvegarde. Et puis on se laisse là. On se laisse là. Voilà. Donc à la prochaine les amis sur des trolls. Ouais. Allez, salut.